Eh bien pour moi, cette journée, c'est une journée particulière dans laquelle je me concentre sur la façon dont les élèves qui souffrent de handicap sont accueillis dans le milieu scolaire, dans le milieu ordinaire. Depuis la mise en application de la loi de 2005, nous devons nous organiser pour accueillir les enfants qui souffrent de handicap. Ça a été pour nous un bouleversement important. Et nous avons dû mettre en œuvre différentes stratégies, différentes organisations pour remplir cette mission au mieux. En Aveyron, nous accueillons en milieu ordinaire un peu plus de 1000 enfants. Et donc aujourd'hui, c'était pour moi l'occasion de me rendre compte dans deux dispositifs différents, dans une école maternelle à Baraqueville, donc l'école Georges Brassens, et à l'ULIS du lycée Monteil de Rodez. Je dirais donc quasiment aux deux extrémités du dispositif scolaire, l'école maternelle et le lycée, ce qui était mis en œuvre pour accompagner ces enfants, pour leur apporter les conditions qui leur permettront de tirer le meilleur parti du milieu scolaire.